Un point commun avec Rose, bah ouais, mais c'est ça le problème, tu vois. Ça va très bien, Flow Gamer, t'inquiète. Ah, ça craque. Alors, les fonderies de souffrance, ça c'est quoi? Oui, fonderie de souffrance. Il y a un corbeau qui picore une pierre. Je sais pas si c'est normal. Ça me semble pas normal, hein. Il va picorer la pierre, regarde bien. Hop, il picore la pierre. Je sais pas ce qu'il va y trouver sur la pierre, mais à mon avis, il n'y a pas de grain. Tu vas faire fuir le corbeau, cannibale. Et voilà, il a fait fuir le corbeau. Mais sérieux, mec. Lui, il a déboussolé, vu sa détermination. Il est déterminé, il a pas déboussolé. Hein. Il a pas déboussolé, hein. Alors, je saute pas, je saute. Il a tapé la fenêtre, hein. Il a tapé la fenêtre, donc il a gagné quoi? Plus 10 en pierre. Eh oui! Et la pierre! La fenêtre! Tape la fenêtre encore! Oh, il m'a choqué. Et il m'a pas déçu. Allez, tu vas me taper moi ou tu vas taper rien? Et il s'est cogné. Tu as voulu faire un demi-tour. T'as vu ce regard qu'on avait tous les deux? C'est beau ça. Hein. Là, il va retaper la fenêtre hein, la deuxième fois. Donc plus 20 en pierre. Non? Ouais, tu prends? Ok. Moi, je saute cette fenêtre. Qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu sautes la fenêtre toi aussi? Oui? Ok, très bien. Ça marche. Moi, ça me convient parfaitement. Je ressaute la fenêtre, tu fais quoi? Tu la sautes pas? C'est pas grave. J'ai une palette ici, je te la présente. C'est palette Michel. Elle s'appelle Michel. C'est la palette, hein, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas elle qui a choisi son blaze. Hein. C'est la palette Michel. Je t'explique. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Je suis nul. Je le dis haut et fort, je suis nul. Voilà. Je suis la personne la plus merdique de l'humanité. Je ne suis même pas capable de faire un vacuum. C'est un truc de ouf. C'est Michel. La palette Michel a été plus puissante que moi. C'est comme ça. C'est comme ça. À un moment donné, il y a deux possibilités. La palette Michel, tu la baisses, ça marche. La palette Michel, tu la baisses pas, ça marche pas. Et ça aurait été une palette Robert, ça aurait fonctionné. Mais c'est une palette Michel. La palette Michel, elle est pas efficace, tu vois. C'est pas la meilleure palette du siècle. Elle est sympa, mais c'est pas la meilleure palette du siècle. Le body block, c'est vraiment un thug life. C'est un thug life. C'est un thug life de ouf. Ouais, faudrait qu'on se fasse ça, oui. Voilà, ça c'est la tricky steak. J'explique ce qu'est la tricky steak. Écoutez bien. La tricky steak, c'est il n'y a pas de danger, il n'y a pas de difficulté, et il rend la game difficile et dangereuse. C'est-à-dire que on affronte un guignolo, par exemple, il est pas bon, et lui, il arrive à le rendre meilleur. Il le rend plus fort. C'est la tricky steak. Regarde son moonwalk. Faut qu'une frisson. C'est un génie, c'est un génie. Oh, il m'a choisi moi. Laisse ton bax quoi, il m'a sélectionné de ouf. Tape la fenêtre. Retape la fenêtre. Putain, mais c'est quand que tu vas taper la fenêtre, frérot? J'en ai marre là. Non, tu me tomberas pas, frère. Tu me tomberas pas, c'est faux. Tu me tomberas pas. C'était limite, hein. Là, je suis die. Hein. Là, je suis die. Là, je suis die. Ok, ok. Je coulisse sur les murs. C'est la coulisse tech. C'est la coulisse tech. Là, il a une idée en tête, une seule. C'est défoncer la Kate. Et, tu vois, sa maman, elle avait des gros nichons. C'est pas grave, c'est normal. Moi, ma mère aussi, elle a des gros nichons. Et elle a des problèmes de dos à cause de ça. Et comme Kate lui fait penser à sa mère, parce que les psychopathes, c'est comme ça. Hein, dès qu'ils voient une meuf, ça leur fait penser à leur daronne. Donc lui, il me voit mes nichons sur Kate. Il se dit, putain, ça ressemble à ma daronne. Et donc forcément, il est énervé. Parce que ça lui plaît pas. Il y a que sa daronne qui a le droit d'avoir des nichons comme ça, tu comprends? Donc il est vénère. Et je le comprends parfaitement. Ouah, il m'a baisé. J'ai jamais vu un mec aussi fort en baisage. J'ai jamais vu un mec aussi fort en baisage. Là, tu vois, il se dit qu'il m'a baisé. Mais je suis d'accord avec lui. Hein. Putain, il est trop fort. J'ai jamais vu un mec qui baisait aussi bien. Putain, c'est ouf. C'est vulgaire ce que je dis. Ouais, bien. Alors ça, c'est plus 20. Ok, ok. Ok, ok. Je suis en souffrance. Je suis en souffrance. J'accepte, j'accepte. Je suis en souffrance de ouf. Je suis en souffrance. Ok, c'est bon. Je vais bien là. Nichon, nichon.
Ok, je vais à droite. En fait, non. Oh, c'est un génie. Wow, c'est un génie. Le flash aussi, il m'a sauvé avec la flash. Je te jure, il m'a sauvé avec la flash. Il m'a sauvé avec la flash. Ok, moonwalk. Il re-moonwalk. 1, 2, 3. Je saute vraiment. En fait, ok, c'est bon. J'ai la technique. Regarde bien. Il m'a lâché. Je t'avais dit que j'avais la technique. Oh là, ça c'est la... Ouh, adrénaline. J'allais dire c'est la Robitech. Mais en fait, c'est adrénaline. Ok, ça c'est la Hobitech. What? J'ai plus de trousse. Mais c'est quoi cette trousse de merde que je me suis faite là? Ok, c'est bon, j'ai un bounage. Ouais, Shazy, elle était sympa cette game, hein. Elle était fun. Ça, c'est une game YouTube, hein, je reconnais. Elle était cool cette partie. Je me la suis rendu cool aussi à faire le guignolo et tout. Vas-y, on peut. Ouh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vas-y, tu sautes la fenêtre en premier, je saute en deuxième, ok? Let's go. Non, mais sauter en fast vol, frérot, tu connais pas le fast vol? Oh, il avait cassé au préalable. Il a préalablé le cassage. Mais ça y est ouf, l'intelligence. Il s'est dit qu'à un moment donné, il aurait besoin de casser. Et donc, il a cassé. Franchement, j'admire. Pourquoi quand j'arrive sur le stream, ça parle de nichon? Franchement, troller, j'en ai absolument aucune idée. Et je trouve que c'est pas respectueux envers les femmes. Et je devrais aussi parler des couilles. Parce que si on parle de nichon, bah, faut parler des couilles. Comme ça, c'est égalitaire. Tu vois, on parle des nichons et des couilles. Voilà. Et là, je trouve que j'ai manqué de respect envers l'humanité et c'est pas bien. Je vais donc aller me punir et me faire tronçonner la gueule par ce cannibale. Je pense que c'est mérité. Pour l'instant, tous les Gugus, ils sont tombés en 2 secondes. Mais en même temps, il n'y a plus de palettes là-bas, je les ai tous enlevés. Tout enlevé. Voilà. Bon, regardez-moi ces Gugus. Ça, c'est en fait, la Tricky Steak, elle a un gros problème. C'est qu'elle rejaillit sur les mates. C'est-à-dire que si Tricky's, il fait sa Tricky Steak, qui consiste à tomber en 2 secondes et rendre difficile la game alors qu'à la base, elle était facile, tous les autres, ils sont contaminés par la Tricky Steak. Regarde, c'est pas les... j'invente rien, c'est la preuve, j'ai rien inventé. Hein. J'ai rien inventé. Vous avez vu comme il a contaminé les mates? Moi, par contre, je suis immunisé. Je suis immunisé parce que... écran bleu. Donc, je suis immunisé. Il est sauté. Ok, c'est bon, on peut bodyblock. Oh, mais il va vite, hein. Nice. Bien joué, c'est. Allez, monte, viens avec moi, frérot. J'ai un truc à te montrer. Mais viens! Il veut plus venir. Il a tellement tapé de pierre aussi, il en a suffisamment pour construire sa maison. Ouais, mais voilà, j'ai tapé de la pierre, ça me suffit, pas besoin de plus. Je sais pas, arrêtez de bannir tout le monde, c'est chiant là. Je sais pas là, qu'est-ce que vous foutez à qui? Je sais pas, je comprends pas. Arrêtez de bannir, de supprimer les messages tout le temps et tout, c'est chiant. Même si vous rentrez dans un jeu de rôle en mode Schwarzenegger, c'est chiant quoi. Mais ça marque que c'est toi sur Draxis. Supprimé par ce Draxis, ça marque que c'est toi. Par Sobot, Jeff le bot, arrêtez, sérieux, enfin... Non mais je vous ai... Moi, mes modérateurs, c'est... De tous les streamers qui puissent exister, la fonction que je donne aux modérateurs de mes streams, c'est de ne rien glander. Moi, pour moi, bannir ou supprimer un message, c'est uniquement lors d'insultes ou de mots qui veulent faire bannir le streamer. Tout le reste, spam, machin, rien à foutre. J'ai rien à foutre. Les emojis, rien à foutre, etc., etc. Oui, t'inquiète, mais peu importe qui fait quoi, vous savez, quand vous êtes dans une classe, les profs, c'est pas parce que vous avez rien fait qu'ils vont pas vous punir. Hein. À un moment donné, les profs, voilà, ils punissent tout le monde parce que c'est plus simple pour eux, donc moi, c'est un peu pareil, quoi. Même si c'est pas bien parce que je trouve que la pédagogie est dégueulasse et elle apprend rien, mais en l'occurrence, là, moi, mes modos, c'est, je vous jure, hein, quand je leur dis vous êtes modo, vous avez rien à faire. Rien. Le seul truc que je vous demande, c'est que quand on est méchant sur le stream avec qui que ce soit, vous ne répondez pas à la méchanceté, parce que ça attise la méchanceté, donc c'est pas bien. C'est-à-dire ça l'envenime, la méchanceté, d'accord? Et quand il y a des insultes ou quoi, on ne répond pas. Et quand quelqu'un ne comprend pas un truc ou n'écoute pas ce que vous écrivez, enfin, ne lit pas ce que vous écrivez parce qu'il veut que écouter les streamers, on ne dit pas genre un mot qui dit genre « Ouais, je vais parler, il m'écoute pas, gna gna » sur le stream. On ne parle pas, on fait rien. En fait, le modérateur chez moi, c'est le modérateur, il a rien à foutre. Il est comme, il voit une insulte. Robert, t'es moche, tu pues, tu fais pitié, je t'aime pas, va manger des camemberts. Bon, hop, supprimé, tac, mais tu vois.
Karma-moi, s'il te plaît. Karma-moi, s'il te plaît. Il a l'air... Il est insidieux. Le génie. Mais c'est un... C'est un... Ouah, j'étais pas prêt, j'avais pas les mains sur le clavier. Il veut me la mettre, hein. Vas-y, vas-y. Sors, 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 s'il te plaît, Nancy, je veux être 1v1 avec lui. Oh, get out, Obi. Get out. Go out, Obi. Please. Please, Obi. Obi, get out. Là, je vais dire Obi de go out. Out, please. Voilà. Je vais faire 1v1 avec le Blight. Vite, out. Nickel. Allez, go. C'était chaud. Je l'admets que le endgame a mis plus de pression que le cannibale au long de cette partie. Nice, toxique, idiot. Nous sommes toxiques. C'est vrai, j'ai été toxique. Insidieux, agitation, espion de l'ombre, point de fer. On dirait les vieux Booba 2016. Bonjour, même si c'était pas en 2016 le Booba, mais bon. On dirait quand même les vieux Booba, tu sais. Et les Booba de l'époque quand il est sorti. Alors, qu'est-ce que ça veut vouloir dire, ça? Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire ça là. Alors, je vais faire 10 pelles. Je vais marquer ce qu'il a écrit. Et ça détecte pas la langue. Attends. Langue détectée automatiquement. Voilà. Et je vais mettre français. Français. Ok, ça détecte rien. Vas-y, je vais marquer sur Google, on va voir ce que ça me sort. C'est russe, apparemment, donc. Ah, en anglais, ça veut dire ok. Et vas-y, en CFran, c'est dire quoi? Ok, attends, c'est russe. Donc je mets langue détectée russe et français. Ça veut dire... Mais traduit! Mais traduit! Ah, ok, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ah, d'accord. J'ai compris ce que ça voulait dire. C'est pas bien ça. Ça, c'est méchant. C'est pas bien du tout d'utiliser ce mot, mon ami. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. Bah, je sais pas, j'ai pas envie, le pauvre. Pff, il a passé une mauvaise game. Putain, mais j'ai envie de le bannir quand même. Mais bon, il a passé une mauvaise game. Salut Nikos, comment tu vas? C'est la forme. Ben, moi, dans la traduction, ça veut pas dire imbécile. Hein. Ça veut pas dire imbécile du tout dans ma traduction. Mais bon. Je vous envoie le lien de la traduction, les amis. Pour vous montrer ce que ça veut dire. Mais ça veut pas dire imbécile. Bon, je vais garder son profil en mémoire au cas où. Et je vais le report au cas où. Comme ça, c'est fait. Mais je sais pas si je vais le... Report, mais bon. C'est où les insultes? Voilà. Bonjour, ce joueur insulte dans le chat. Le fun game, de toute façon, il n'y a que ça comme chat. Chat de fun game. Ah, c'est bien. Envoyez.